La mission du comité de gestion de 5% du revenu pétrolier du Chari-Bagrimi a installé le bureau des agents du développement local des quatre communes du département de Bali. Ce bureau est composé de 8 membres. La rapporteuse générale première adjointe du comité, Fatimé Amsizan Lamana, a dans son mot exhorté le bureau installé à se mettre résolument au travail pour aider les groupements et coopératives à bien élaborer des projets bancables afin de bénéficier du financement du comité de gestion. Après cette cérémonie d'installation, la délégation du président du comité de gestion de 5% de revenus pétroliers du Chari-Bagrimi a animé un grand meeting à la place publique où elle a distribué des enveloppes aux groupements associatifs féminins et des jeunes pour le financement de leurs activités agricoles. Il s'agit des groupements de Durbali, Mayash, Linia et Dinhere. Très confortés, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, pour sa politique sociale du développement en faveur de la population tchadienne. La mission a également remis les clés de 2 véhicules du fonctionnement du bureau du comité de gestion, achetés sur le fonds propre du comité, et une ambulance du district sanitaire de Mayash, réhabilitée pour le transfert des patients vers les hôpitaux de référence. Le comité a aussi fait un don de médicaments à l'hôpital de district de Durbali, aux 8 centres de santé du département, afin de soulager les malades. Le président du comité de gestion a saisi l'occasion pour inviter la population à sortir massivement le jour du recensement électoral, à se faire enrôler et voter oui pour le référendum constitutionnel. Le préfet du département de Durbali, Abaka Dume Haliki, a au nom de sa population exprimé sa reconnaissance au comité de gestion de 5% pour ses gestes combien bénéfiques pour ses administrés.